Ce jeudi 30 mars 2023 sur M6, à l'issue de la 7e étape de Pékin Express, le choix secret, le binôme d'inconnus formé par Nathalie Energy a été éliminé, vaincu d'une courte tête par les sœurs chien et chat Alexandra et Laura. Ce qui a beaucoup fait réagir les internautes. Une victoire au bout du suspense. Ce jeudi 30 mars 2023, M6 diffusait la 7e étape de Pékin Express, le choix secret. Il s'agissait de la dernière course au Paraguay. Alexandra et Laura, arrivées en dernière position la semaine dernière et sauvées in extremis car il ne s'agissait pas d'une étape éliminatoire, ont hérité d'un handicap. Elles ont ainsi dû faire la course avec Sofia, une danseuse paraguayenne au costume encombrant. Et sans surprise, les deux sœurs chien et chat qui avaient réalisé un début d'aventure sans faute sont arrivées une nouvelle fois dernière. Pékin Express 2023, Alexandra et Laura défient Nathalie et Angie en duel final faute de binôme présent en nombre suffisant, la règle du choix secret, qui permettait à chacun de voter pour le duo qu'il souhaitait envoyer en duel final, ne s'est pas appliquée pour la première fois. Ce sont donc Alexandra et Laura qui ont été invités par Stéphane Rothenberg à désigner leurs concurrents. Avec la solide alliance qui les relie à Alexandre et Chirine, les sœurs parisiennes ont sans surprise choisi Nathalie et Energy, le binôme d'inconnus. Cette 7e étape avait au préalable été remportée par Xavier et Céline, tandis que Clément et Emeline bénéficiaient de l'immunité. Pour le duel final, Laura et Nathalie se sont lancées pour tenter de sauver leur place dans l'aventure. Laura était toujours accompagnée de la danseuse Sofia, cette fois débarrassée de ses plumes et de ses chaussures à talons. L'épreuve consistait à tirer à l'arc sur une cible dans le but de marquer 5 points. Arrivées au même moment sur les lieux du défi, les deux compétitrices ont également achevé avec succès leur défi quasi simultanément. Si est rarissime de gagner un duel final avec un handicap, affirme Stéphane Rothenberg enfin, Laura et Nathalie ont été déposées à quelques secondes d'intervalle sur le lieu où les attendaient Stéphane Rothenberg et leur partenaire. Le dénouement de la course, particulièrement haletant, s'est donc joué dans les escaliers. Energy a bien vu que la partie était perdue puisque Laura devançait son adversaire de quelques marches seulement. Si est super Natou, a-t-elle tenté de consoler sa partenaire. Vous nous avez donné un extraordinaire duel final. Ça s'est joué à très peu de choses, n'a pu que constater l'animateur de Pékin Express. Est rarissime de gagner un duel final avec un handicap. Alexandra et Laura ont rendu hommage à Sofia qui s'est dans la dernière ligne droite révélée être davantage un atout qu'un inconvénient pour les deux aventurières. Energy, qui rêvait de découvrir le Brésil lors de la 8e étape, a pris la défaite avec philosophie tandis que Nathalie a fondu en larmes face caméra. Un dénouement qui n'a pas manqué d'émouvoir les internautes, dont certains, en colère, ont remis en cause le handicap des sœurs, Sofia, une danseuse locale, trop léger d'après eux, par rapport à Étienne la dernière fois. Découvrez une sélection des réactions sur Twitter ci-dessous. Beau binôme, bonne entente, vous êtes des amours Nathalie et Energy, je vous regrette déjà, visage qui pleure, visage qui pleure, visage qui pleure, hashtag Pékin Express Pique.
twitter.com/1h6quedrenmo, Ludo, signoké, microphone, @ludolgue3, March 30, 2023, hashtag Pékin Express Prodeg pour Nathalie et NG, Jojo du Bibi 52 @gbadé82-bas toxique, March 30, 2023 Nathalie et NG resteront l'un des meilleurs duos de cette année hashtag Pékin Express, AVTU. Où est 7, 107-AVTUE, March 30, 2023 Depuis quand le handicap il évolue durant l'émission? Les inconnus auraient dû gagner, la nana elle enlève tous de son handicap, franchement du favoritisme hashtag M6 hashtag Pékin Express, mavri-mavri76, March 30, 2023 Je pleure tellement j'ai mal c'est pas possible hashtag Pékin Express, marina-sheriff-rina-sheriff. March 30, 2023 Joulet la haine putain je peux plus me les voir les sœurs là, Nathalie et NG bordel, visage qui pleure, visage qui pleure, visage qui pleure, hashtag Pékin Express Pic. twitter.com/9islgmjp5, Delta Chi Sigma L @osofaxu, March 30, 2023 Non mais carrément Sophia court plus vite et encourage Laura. Quel foutage de gueule tout de même. Hashtag Pékin Express, Lily Diegu @LilyDiegu, March 30, 2023 Quelqu'un a prévenu Sophia qu'elle était censée être un handicap? Hashtag Pékin Express, le chaton magique @leschatonmagiques, March 30, 2023 L'handicap qui court plus vite que la candidate on en parle? Hashtag Pékin Express, Alpharmony @Buckingtony, March 30, 2023 Les règles dans hashtag Pékin Express c'est en aléatoire, les handicaps réduits de moitié quand ça les arrange, les votes non par les candidats mais par le dernier binôme pareil, vraiment c'est abusé là, Mae. @maebrne-bas, March 30, 2023 En soi ce n'est pas équitable, comparé à Étienne comme handicap. Sophie a couru plus vite, négocier la voiture alors qu'elle devait danser etc. Les inconnus ont eu aucun pouvoir même en duel final hashtag Pékin Express https://t. Cause écro 5xi, Noémie, cœur jaune, @yumi-banoémie, March 30, 2023 handicap selon hashtag Pékin Express. Pour NG et Nathalie pour les orpiques. twitter.com/3pvpd4, Anthony @AntoniqueMidien, March 30, 2023 Favoritisme tellement évident. Handicap en carton qui n'a jamais dansé ni ralenti les sœurs même durant le dernier sprint, alliance de merde avec le couple qui est mauvais depuis le jour 1 j'ai tellement la haine putain hashtag Pékin Express 2023 pic. twitter.com/05d3f5i3, Steph KG @KG-Bastef, March 30. 2023 alerte, gyrophare, les filles sont trop avantagées à mon goût. Point la dernière fois Étienne avait tout fait lors du duel final et comme par hasard si c'est les filles le handicap est juste un compagnon Sophia n'est clairement pas un handicap hashtag Pékin Express, Ngonesila, Sénégal, France, @Ngonesi, March 30, 2023 La handicap des inconnus était à 150% et là il est à 0% J'ai jamais été dans la team favorisée par la prod mais là sur le coup j'avoue que si est-y abusé hashtag Pékin Express, @RocoFidomi, March 30, 2023 C'est la danseuse qui devrait faire le tir à l'arc. C'est Étienne qui a fait leur duel final. La règle c'est censé être la même pour tout le monde. Hashtag Pékin Express, Marion @MarionOlivier15, March 30, 2023 Un handicap ça te ralentit fin c'est handicapant quoi, c'est pas censé courir plus vite que toi. Étienne il a pas pu avoir une fille avec lui parce que les deux auraient pu s'entraider donc pourquoi son handicap a pas gardé ses talons? Hashtag Pékin Express, Lighty @sourire-badari,
March 30, 2023 à lire aussi Nathalie Ng éliminée de Pékin Express 2023, théoriquement, on devait gagner.